siècles des siècles. Amen. Fais lumière qui resplendit sur la face du Christ, fais la venue et parole, fais le silence et lumière, fais qui établit les cœurs dans l'action de Amen.
sacrifice du soir, exauce-moi, Psaume 18. Jusqu'aux limites du monde.
sort du pavillon, il se réjouit vaillant de courir sa carrière. À la limite des cieux, il a son lever, et sa course atteint à l'autre limite, et rien qui puisse échapper à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, réconfort pour l'âme. Le témoignage du Seigneur est bénédique, sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Les ordres du Seigneur sont limpides, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitable toujours. Plus désirable que l'or le plus fin. Ses paroles sont douces plus que miel, que le sucre des rayons. Aussi ton serviteur s'en pénètre, les observer est grand profit. Mais qui s'aperçoit de ses faux pas, purifie-moi du mal secret. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nul empire. Alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Agrée les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. Sans trêve devant toi, Seigneur, mon rocher, mon rédempteur. Rendre gloire au Père puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, amen. La nuit est avancée, déjà le jour approche. Que s'élève en nos cœurs le soleil de justice. Psaume 83. Sont désirables, Seigneur, sabbat honte. Mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. Le pastereau s'est trouvé un gîte et l'hirondelle un nid pour ses petits. D'exemple, Seigneur, sabbat. Ô mon roi et mon Dieu, heureux les habitants de ta maison, dans les siècles des siècles ils te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Passant par le val du pleureur, ils en feront un lieu de source, la première pluie vêtira de bénédiction. Ils marcheront de hauteur en hauteur, Dieu leur apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu, notre bouclier, vois, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes parvis, en vaut pour moi plus que mille. L'essai de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de l'impie. Car Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur, sabbat, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. De Saint Cyrille de Jérusalem au IVe siècle. Point final de l'Ancien Testament, le baptême est aussi le début du Nouveau. En effet, il eut pour promoteur Jean le Baptiste, qu'aucun enfant de la femme ne surpassait. Jean achevait la série des prophètes, car tous les prophètes ainsi que la loi ont parlé jusqu'à Jean, et il ouvre l'ère de l'Évangile. Lui opposerais-tu Élie le Tishbite qui a été enlevé au ciel ? Il n'est pourtant pas supérieur à Jean. Enoch a aussi été transporté au ciel, mais il n'est pas plus grand que Jean. Moïse a été un très grand législateur en Israël. Tous les prophètes ont été admirables, mais ils n'étaient pas plus grands que Jean. Il ne s'agit pas de comparer prophète à prophète, mais leur maître. Notre Maître, le Seigneur Jésus, a déclaré « Parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. » La comparaison est établie entre le grand serviteur et ses compagnons de service. Mais la supériorité et la grâce du Fils en face des serviteurs ne souffrent pas de comparaison. Vois-tu donc quel homme Dieu a choisi comme premier bénéficiaire de cette grâce ? Un pauvre. Un ami du désert, sans être pour autant un ennemi des hommes. Nourri de miel, il prononçait des paroles plus douces et plus utiles que le miel. Portant un vêtement de poils de chameau, il montrait en sa personne l'exemple de l'effort.
c'est que, dès le sein de sa mère, il avait été sanctifié par l'Esprit Saint. Jérémie avait été sanctifié, mais il n'avait pas prophétisé dès le sein maternel. Seul Jean, dans la prison du sein de sa mère, a tressailli de joie. Sans voir encore de ses yeux de chair, sous l'action de l'Esprit, il a reconnu le Maître. La grandeur de la grâce du baptême exigeait un grand précurseur. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus, pour Jean le Baptiste, nouvel Élie. Donne-nous le zèle de ce témoin, toi, la lumière des nations. Toi, Seigneur Jésus, toi qui veux faire ta demeure parmi nous, viens hôte de nos cœurs, viens, ne tarde plus. Viens, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus, patient et miséricordieux, viens, donateur de tout bien, enseigne-nous la prière et l'ascèse persévérante. Viens, Seigneur Jésus. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Viens, Seigneur, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Que le Seigneur vienne illuminer nos cœurs en ce début d'Eucharistie. Que sa lumière nous révèle sa miséricorde se déversant dans nos cœurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que la splendeur de ta gloire se lève en nos cœurs. Et l'avènement de ton Fils unique, dissipant les dernières ombres de la nuit, fera voir au grand jour que nous sommes fils de ta lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. En ces jours-là, le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et, dans son ardeur, les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel et à trois reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce.
berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ? Jésus leur répondit, Élie va venir pour remettre toute chose à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nos vies sont jalonnées de rencontres. Nombre d'entre elles sont sans lendemain. Elles resteront des rencontres ponctuelles, fugaces, vécues à un moment précis de notre existence. Certaines, à l'inverse, marqueront le début d'un compagnonnage dans le temps. Certaines de ces rencontres surgissent et sont cause de surprise et de joie. D'autres, quelquefois, cause du tourment. Néanmoins, les unes comme les autres, qu'elles soient bien ou mal vécues, qu'elles s'inscrivent dans la durée ou non, qu'elles se produisent à un moment charnière ou non d'une existence, peuvent nous marquer profondément et durablement. Ainsi, nous gardons intact dans notre mémoire le souvenir vivant de telle ou telle personne, une parole, un geste, une attitude, un trait de caractère qui marque
au point parfois d'influer le cours de notre vie. Si certaines influences sont dommageables, d'autres, au contraire, grâce à Dieu, sont source d'inspiration. Ce qui vaut pour une personne vaut aussi pour une communauté, pour un pays. À n'en pas douter, le prophète Élie a profondément et durablement marqué l'histoire de son peuple. Son nom signifie « Le Seigneur est mon Dieu ». Et c'est en consonance avec ce nom que toute sa vie se déroule. Lorsqu'il surgit au IXe siècle avant notre ère, Israël était en train de céder à la séduction de l'idolâtrie, ayant l'illusion de pouvoir servir deux maîtres à la fois. Sa vie entière, la vie d'Élie, a été consacrée à conduire et provoquer dans le peuple la reconnaissance de Dieu comme son unique Seigneur. Et il est resté dans la mémoire collective comme le prophète de feu suscité par Dieu pour conduire le peuple au Dieu des pères, celui qui a fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Ainsi, quatre siècles plus tard, au 5e siècle avant notre ère, au nom du Seigneur, le prophète Malachie annonce « Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que ne vienne le jour du Seigneur. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'Anathème. » Plus tard, au 2e siècle avant Jésus-Christ, cette annonce a été à nouveau reprise par Ben Sira le sage. Nous l'avons entendu en première lecture. Toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Une prophétie qui traversait donc le temps, portée par la foi des croyants, attendant avec espérance les temps messianiques. Une prophétie avant tout riche d'espérance, car elle annonçait, avant le jour du Seigneur, la venue d'un nouvel Élie pour préparer le peuple. Pour les scribes, la venue du prophète des derniers temps est un signe attendu, car il annonce l'imminence du jour du Seigneur. Dans l'évangile de ce jour, Pierre, Jacques et Jean ont les yeux encore tout éblouis par la lumière de la transfiguration. Ils ont vu Jésus, son visage, son vêtement, toute sa personne éblouissant de lumière. Ils ont aussi vu Moïse et Élie entourer Jésus. Ils ont aperçu Élie et c'est pourquoi ils interpellent Jésus sur sa venue attendue. Une venue, nous l'avons entendue, que Jésus confirme. Les disciples comprennent alors par les paroles de Jésus que c'est en la personne de Jean-Baptiste que le prophète des derniers temps est déjà venu pour préparer le cœur des croyants à sa venue. Mes frères et sœurs, en quoi Jean-Baptiste est-il le nouvel Élie? Il y a tant de contrastes entre ces deux prophètes. Ce midi, sœur Marie-Laure nous en a si bien parlé que je n'en parlerai pas ce soir. Manifester que ces contrastes disent finalement quelque chose du mystère de ce Dieu que nous attendons qui surgit. Et je vous invite à aller écouter son commentaire. Ce soir, j'aimerais simplement m'arrêter sur un élément. D'Élie, Ben Sira le sage dit « Il surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. » De fait, c'est avec cette flamme qu'Israël a retrouvé son chemin vers Dieu. Or, il est frappant de voir que dans l'Écriture, que l'Écriture utilise à propos de Jean-Baptiste la même image du feu et de la lumière. Si la parole d'Élie brûlait comme une torche, Jean-Baptiste est la lampe qui brûle et qui luit. Il est la lampe qui luit, la lampe qui éclaire. Jean-Baptiste, pour l'humanité encore plongée dans l'obscurité du péché, a désigné le Messie qui venait.
Voyant Jésus, il dit : Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. J'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Jean-Baptiste est la lampe qui éclaire. Il a révélé ce qui était là, présent sous les yeux de ses auditeurs, mais que ces derniers ne pouvaient encore voir. Mais pour luire, pour éclairer dans la nuit et être à même de désigner le Messie, Jean-Baptiste est d'abord une lampe qui brûle. Il y a chez lui un amour ardent et fervent. Homme en quête de Dieu, il s'est retiré pour vivre dans la solitude du désert. Mais il est également solidaire des hommes. Avec zèle et ardeur, les évangiles nous le montrent accueillant ceux qui viennent à lui. Il réchauffait et embrasait si bien les cœurs de ceux qui s'approchaient de lui que ces derniers exprimaient le souhait de changer de vie. À sa manière, parfois un peu vigoureuse, reconnaissons-le, pour bousculer ceux qui en avaient besoin, il invitait à retrouver le chemin de Dieu. Il préparait ainsi la venue du Messie. Et c'est devant lui, le Messie, c'est devant la lumière de cet astre que la lampe de Jean-Baptiste va doucement décroître. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Frères et sœurs, Jean-Baptiste est déjà venu et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, a dit Jésus. Sa voix, la voix de Jean-Baptiste, en ce temps de l'Avent, retentit aussi à nos oreilles. Il nous appelle à la conversion, il nous appelle à retrouver le chemin de Dieu. Ce chemin d'avant qui nous achemine pas à pas à la rencontre de Dieu sera aussi ce que nous en ferons. Nombre de personnes rencontrées sur notre route ont été comme autant de petites lumières indiquant le chemin du Seigneur. Avançons donc avec confiance. Soyons aussi en quelque sorte prophètes les uns pour les autres, des Jean-Baptistes, c'est-à-dire sachant fraternellement, selon les lumières qui nous sont données, les partager avec nos frères et sœurs en humanité, pour que peu à peu, leurs yeux, comme les nôtres, s'illuminent à ce grand jour de Dieu qui envahit progressivement notre vie et qui un jour la remplira tout entière d'une joie débordante. Que ce temps qui nous prépare à Noël soit le temps où nous nous préparons avec flamme à la rencontre de Dieu, en cette rencontre qui sera plénière au jour de notre mort, mais qui déjà, chaque jour, se fait plus insistante, plus profonde. Thank you.
ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Marc, de Yves et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu. Amen, amen, gloire et louange à notre Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Thank you.
Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Tu es Jérusalem nouvelle, sur toi se lève le Seigneur. En toi il resplendit, la lumière de Dieu est remplie de sa gloire. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. C'est qui la craigne, déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de la trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, par les siècles des siècles. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Tu es la Jérusalem nouvelle, sur toi se lève le Seigneur. En toi il resplendit, la demeure de Dieu est remplie de sa gloire. Réjouis-toi, action de grâce, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Ce temps de l'Avent, frères et sœurs, vient de paraître notre dernier numéro de Source Vive qui a pour thème l'attente. L'attente qui n'est pas synonyme de passivité, d'ennui. Autant d'articles dans ce numéro comme des petites lumières pour nous guider, pour préparer nos cœurs à la venue du Seigneur. Vous avez notamment dans ce numéro de Source Vive un entretien avec sœur Anne Lécu qui est dominicaine et médecin en prison, et en prison auprès de ces prisonniers qui attendent le jour de leur libération, jour, chemin qui devient pour certains itinéraire spirituel. On peut découvrir combien cette miséricorde de Dieu prend patience envers les prisonniers, envers chacun de nous. Vous trouverez ce numéro de Source Vive à la librairie ou bien sur notre site internet. La semaine prochaine, jeudi prochain, nous pourrons vivre, accueillir la miséricorde de Dieu, puisqu'à 18h, nous célébrerons une liturgie pénitentielle. Enfin, à la fin de ce mois de décembre, vivre le nouvel an au monastère des retraites
sont proposées aux étudiants et jeunes professionnels dans plusieurs de nos fraternités, au Mont-Saint-Michel, ici même, ou bien à Magdala, où une retraite du discernement est proposée du 26 décembre au 1er janvier. Suivre le Christ, le Fils du Dieu vivant. Les étudiants et jeunes professionnels ont toutes les informations sur notre site internet. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ô mère de tendresse,